Ce militant de l'association L214 est entré sans autorisation dans cet élevage de porcs situé sur la commune de Vitrac-Saint-Vincent. Donc voilà, on peut voir que les cochons, là, ils sont couverts de mouches. J'ai jamais vu autant de mouches dans un élevage. Regarde ça, regarde ça. Putain, c'est dingue. La vidéo, publiée jeudi dernier, comptabilise déjà plus de 200 000 vues sur Facebook. Regarde, celui-là, il a plein de marques. À mon avis, c'est des marques de cochons, ils se sont battus entre eux. Il y a les oreilles complètement défoncées. Là, il y en a plein qui ont des griffures sur les côtés. L'association L214 ne cherche pas à montrer du doigt un cas particulier, mais plutôt à dénoncer un système de production pour informer les consommateurs. Les éleveurs, à mon avis, s'ils pouvaient avoir le choix et on pouvait les rémunérer correctement, et ben, ils ne choisiraient pas d'enfermer des cochons dans ces bâtiments-là. Ils choisiraient de les mettre en liberté, de leur donner plus de liberté. En fait, c'est parce qu'on leur impose de produire des cochons à bas prix. L'éleveur mis en cause, pour l'instant, n'a pas encore réagi.